poolside. Yo tout le monde, c'est Super 45, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super et aujourd'hui, nouvelle vidéo en face live commentary pour Chute, je snipe en silence, épisode numéro 5, donc un épisode hors série. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu ma classe, je l'ai équipé d'un silencieux. C'est le principe de Chute, je snipe en silence, hein. C'est un petit peu la base. Et putain de merde, on vient de tomber dans une partie qui a déjà commencé. C'est pas très très grave. Si elle est pas trop commencée, bah je prendrai cette partie, puis si elle est déjà commencée, bah je referai une après. Et donc pour cet épisode, on va dire hors série, parce que il n'y a pas d'autres snipers prévus sur Call of Duty Ghost, hein, c'est le dernier sniper qui est sorti sur cet opus, donc forcément je me devais, moi qui a fait la série Chute, je snipe en silence, forcément de le faire avec la Maverick. Donc j'espère juste une chose, c'est que la Maverick n'y te marque pas trop, comme le Lynx par exemple avec le silencieux. Alors je vais être honnête avec vous, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué au snipe sur Call of Duty Ghost, donc si je rate des quickscopes qui sont simples, etc., m'en voulez pas trop. Dernièrement j'étais pas mal en clan v clan sur Ghost ou même sur Black Ops 1 ou sur MW2, enfin j'aime bien tourner de temps en temps sur les Call of Duty. Et c'est toujours avec grand plaisir que je vous fais des vidéos en face live. J'aime bien moi faire des vidéos en face live. Je sais pas si vous aimez vous, mais je trouve que c'est beaucoup plus comment on appelle ça, jovial, joyeux. En tout cas one shot, hein. Ça déjà je suis assez content. J'ai un bug avec mon, des fois quand je cours ça me donne un coup de cut, je sais pas pourquoi. J'ai deux manettes et il y en a une qui bug, il y en a une qui bug pas, j'ai dû prendre la mauvaise, tant pis pas. Alors lui il est vraiment con. Bah écoutez, je suis plutôt un... Oh là 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 là. Oh my fucking god, t'es pas 45. T'es où? T'es là. Oh là là, mais arrêtez-moi. Vite, monsieur l'agent. Oh là là, mais je suis en train de les violer, arrêtez-moi, nom de Dieu. Oh là. Il est passé à travers mon corps, mon gars, Casper. Ah! C'est agréable. C'est pas grave. Allez, on va mettre le drone. Donc pour ceux qui sont pas encore au courant, le drone, en fait, quand vous en mettez un sur la map, bah ça fait juste un drone aux alentours. Toi, ta gueule. Quand vous en mettez deux, ça fait un drone normal. Et quand vous en mettez trois, normalement, vous avez une sorte de radar toujours actif. Je crois, hein, je ne vais pas trop m'avancer sur cette information. Mais si mes souvenirs sont bons, c'était quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai mis zoom ajustable ou quoi que ce soit, bah je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je présentais l'arme et où je présentais ma classe avec laquelle je joue pour la Maverick, et vous comprendrez pourquoi est-ce que je mets un zoom ajustable. Les abonnés qui auront regardé comprendront ou se rappelleront peut-être. Faut peut-être que je m'en aille de la maison parce que là c'est trop grillé. Je ne campais pas, je temporisais déjà. Hein. J'avais envie d'ailleurs de vous demander quelque chose. Alors comme vous le savez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le dernier sniper disponible dans Call of Duty Ghost. Et bah là, forcément la série Chute, je snipe en silence sur Ghost est finie. Sur Black Ops 2 elle avait énormément plu, sur Ghost ça a aussi plu. Et je me demandais si ça vous intéressait et si ça vous disait que je le fasse sur les anciens Call of Duty, c'est-à-dire par exemple sur MW2, que je joue avec l'intervention silencieux en face live, que je joue avec le barrette silencieux en face live, que je le fasse aussi sur MW3 avec le MSR au silencieux en face live, le RSAS en face live, enfin bref, vraiment tous les snipers des anciens Call of Duty, un, ça pourrait continuer la série, et deux, ça pourrait faire des vidéos avec des snipers divers, et donc diversifié. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires si cela vous intéresse, que je fasse des épisodes juste de snipe en silence de temps en temps, pas non plus toutes les semaines, mais je sais pas, toutes les deux semaines. C'est quoi ce spawn? Putain. J'ai l'impression que c'était un spawn de MW2 avec les spawn traps qu'il y avait en démolition, là, c'était n'importe quoi. Bon, en tout cas, pour un gars qui a pas joué au snipe depuis un bon bout de temps sur Ghost, je suis en train de bien m'en sortir. Allez, montre-toi. Gaïen, il est en train de faire une partie only cut.
cover me mon. Allez mon soldat, cover me. Oh, il est. Il est pas... Il était où lui? Ah d'accord. C'est agréable. Ah ouais, je me rappelais même plus qu'il y avait un souterrain dans cette map, ça fait tellement longtemps. Donc pour ceux qui me demandent de, hey, c'est quoi cette map? C'est une des 4 nouvelles maps qu'il y avait dans le pack Onslaught. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau pack de map, enfin j'ai entendu dire, non j'ai vu qu'il y avait un nouveau pack de map qui était sorti pour l'instant sur Xbox, qui s'appelle Dévastation. Et il y aurait le retour de la map Dome, en remake hein, bien sûr, c'est-à-dire que c'est la même map, sauf que c'est pas les mêmes alentours. Donc je suis pressé de voir ça via des youtubeurs qui vont sûrement faire des vidéos dessus. Moi je vous ferai ça bah, un mois plus tard vu que les packs sortent un mois plus tard sur PS3. Toi je t'ai entendu, voilà. Allez, je vais essayer de réaliser la killcam. Oracle. L'oracle ça c'est vraiment un des killstreaks les plus utiles quand on joue au sniper. Pour tenter des feats c'est pas mal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, il y a déjà hein, peut-être un mois, j'ai fait une quad feed on screen voilà, avec cette Maverick thermique sur Prison Break. Elle était vraiment plutôt pas mal. Bah écoutez, voilà. On arrive donc à la fin de la partie. Je termine avec un bon score quand même. On va laisser la kill cam de mon coéquipier. Voilà, très bien joué. Bon bah écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée et une bonne soirée et à vos consoles. Le respawn, oula. En tout cas il one shot. Après je l'ai visé dans le dos, c'est un petit peu normal. Donc là, pour ceux qui veulent savoir ma classe...